Bob est un squelette. Bob est... Non, c'est pas vrai. Bah, là, je suis en train de le filmer. Bob, bienvenue sur Comme d'habitude Gaming, tu es un squelette. Oui, bonjour, abonnez-vous à MRP Truck Télévision. C'est Je vraiment un suis bien. squelette, je déconne pas. Parce que C'est trop je ouf. à gros gros vous, je suis. Quoi? J'ai été maudit à avoir lu le. Non! Mais non! Tu me vois comment, Arthur? Rassure-moi. Normal, Arthur? t'inquiète. Ok, j'ai pas été maudit. Moi je te vois en Super. squelette vert et tout comme d'habitude Gaming te voit en squelette vert. Allez, un pouce bleu. Alors, c'était certainement Wanda qui a écrit Abonnez-vous! ce journal. Lire ce n'était pas un mythe pour lire en tirer profit. Lire ce n'était pas un mythe. Ce vieux Salty avait raison. Je n'ai pas pour habitude de croire les racontars, mais je dois me rendre à l'évidence. On est riche. Un des canons du Burning Blade, le fameux navire du capitaine Flame Earth, la puissance de feu de cette relique mystique a fait rêver plus d'une armurière. C'est certainement Wanda qui a écrit ce journal. D'accord, oui. En tirer profit. Ça fait clairement une éternité que le canon gisait là-dessous. Et pourtant, il a résisté aux ravages du temps et de l'eau de mer. Le plus compliqué, ça va être de le remonter à la surface. Il est lourd et plutôt récalcitrant. C'est comme si il avait des humeurs. Il agit sur nous. Il peut nous donner l'ivresse, nous affaiblir et nous enrager. Incroyable. Bah, ça me fait deux livres. Le troisième. MRP Truck, le troisième. Oui. Est-ce que t'as vu un autre livre? De quoi le troisième? Hein, je te parlais de celui-là. Après, j'en ai D'accord. pas vu d'autres. Et ben, il nous Tu veux manque, nous. il va nous manquer une pièce à l'échiquier. Oui, c'est ça, on est à 2 sur 3. Il doit y avoir un autre livre quelque part. Une banane? T'as trouvé des bananes? Ah, Ouais, nice. j'en ai trouvé un Merci, peu. je l'ai piqué. Ah ouais? Ouais. Pas de soucis. Autre livre. Alors là, cette fois-ci, c'est Non! sûr. Putain! L'autre livre, il est sur cette île. Hein. Y a pas discuté pendant Peut-être 107 pas. Hein. ans. Parce qu'il y avait aussi l'histoire de la planque Hein. entre deux avant-postes. Hein. Ne me parle pas de cette planque, je te Et la déteste. planque, on l'a pas trouvée. Hein. Ne me parle pas de ça, ça me fait mal au cœur. Je veux pas me déplacer, au secours. Pitié, aidez-moi. À l'aide. Bob, il veut qu'on aille faire toutes les îles du jeu. Au secours. Quoi, pour des livres? MDR, ben oui, bien sûr, Mettez un c'est ce que pouce j'ai bleu. dit, oui. MDR, loul! Loul, abonnez-vous. Voilà, je suis mort! Appréciez le gameplay favorable et sensitif de Comme d'habitude Gaming et de MRP Troc TV. Et ouais. Donc, Et de Arthur l'irrésistible. tu as de l'argent sur toi L'irrésistible, parce ou... que je suis l'irrésistible gaulois. CF Astérix. Oh la vache, putain. Wow, ça Les glisse même des références, mais CF, fais quoi, remanger du. incroyable. Va manger du blanc de dinde, putain. Conféré, comme diraient mes amis latins. Ouais. Comme dirait l'envahisseur latin, tu veux dire. Mes amis, parce que moi je suis un petit peu collabo sur les bords. Ah! Tonton Dolphy, tout ça, je sais pas si on a le droit sur mon tube. Ah! Ah, sur ton tube, t'as pas trop le droit en fait. Hein. Tu peux te T'as pas faire trop le droit sur, t'as le strike droit d'en rire, gratuitement mec. toute ta chaîne comme Oui, ça. oui. Alors, T'as le non, droit d'en rire, mec. pas de strike pour le fun, destruction de la chaîne directe parce que YouTube On n'a a pas le droit d'humour. d'en rire. Il faudrait te défendre. C'est de l'humour à la Ouais. française. Ouais, mais bon, YouTube c'est pas français en fait. C'est ça le truc en fait. C'est pas très français, les lois françaises ils s'en foutent un peu, tout ça, tout ça. Ouais, la liberté d'expression, nique Ouais, ta c'est mère. ça. Après, YouTube agit que si quelqu'un Mais se plaint. il est pas pour la liberté d'expression, ils sont pour la liberté du pognon. Oui, que si quelqu'un se Oh. plaint, effectivement. Mais Moi, c'est en ce vrai, ils qui peut contrôlent pas arriver. ce genre de truc. Tu fais un contenu public, je veux dire, ça peut arriver à n'importe quel moment. En vrai. J'avais vu un truc dans cette côte là tout à l'heure. Cette falaise. Ah, ok. Ah, Bon, si. ça va, du moment qu'on fait pas du négationnisme, j'ai envie de dire. Ouais, Oh là, bon, on rentre dans un après. sujet là. Après. Ça, le négationnisme, c'est interdit carrément par la loi française. Hein. On dit. Ouais, c'est pour ça. C'est tout, hein. Légalement, c'est niet en fait. Également, c'est. Ah, bah, il y a un squelette. Je nie l'existence des squelettes. C'est pas pourtant que Merci. lui renie ton existence. Ouais, mais Je tu te le sais, dis. s'il me Mais ça tue, peut il marcher, on adhère. sait jamais. Non, tu n'existes pas. Tu Et là, n'existes pas. squelette, tu vois, il dépop, tu fais. Oh, Trouillarde, nouveau pouvoir. Comme quoi, les moines Soline avaient raison. Le pouvoir de la volonté l'emporte sur le pouvoir des muscles. Je suis pas sûr que Stallone soit d'accord.
Ouais, Stallone. Non, mais Stallone, c'est le pouvoir de la mitrailleuse lourde à une main. C'est ça. Qui l'entend. Le pouvoir des États-Unis et du chargeur infini. Et des hémorroïdes. Enfin, des. Non, des stéroïdes, pardon. Des hémorroïdes. On a appris aujourd'hui quelque chose, américain. Et les hémorroïdes, à première vue, c'est une passion culturelle. C'est ça la... fait deux. Certains disent que c'est la bouffe mexicaine. C'est peut-être pour ça qu'ils aiment pas les Mexicains. Ah, les vieilles légendes urbaines toutes pétées, quoi. Trop horrible. Ah ouais, bah... Trop c'est nul. Dans l'esprit de la chaîne, faut croire. Ah ouais, ouais. Ah ouais, non, mais tout est bon esprit ici. Y a pas de... Pas de problème. Y a pas de mauvaise langue. Ouais, ouais, ouais. Enfin, j'aurais plus dit y a pas de bonne langue, mais... Non, mais c'était ironique. C'est ça. Certes, certes. Putain, il nous manquait un journal. C'est embêtant. Il est en haut de la colline, si tu, vas bien. Si tu regardes bien, il est en haut de la colline. Le dernier journal ? On n'en tire pas profit du tout, en fait, quoi. C'est ça que je comprends pas. Bah, surtout que ça n'a rien de... En forêt de capitaliste. Et du quoi, ce livre, c'est une quête ou... Ben non, même pas, en fait. Il nous explique juste qu'effectivement, il y a une histoire de... Il y a une histoire de canon, en gros, hein. Ils ont trouvé une grosse pièce d'artillerie qui vaudrait masse de pognon, légendaire doré, chromé sur le bas-côté. C'est le livre du camp, ça. C'est le livre du camp, mais il n'indique pas de nouveaux lieux ou de choses comme c'est ça, donc... On ne tire pas vraiment profit du... C'est pour ça que je pense que... Ah, les keufs, attendez, ils vont passer ici. Bougez pas. Restez sur Comme d'habitude Gaming pour avoir la suite de la police. J'allais dire, s'il prend pas le feu rouge, c'est bon. C'est qui tire? C'est pas moi. Okay. Just for fun. Ok. Just for fun. Ah, parce que bon, il y a des canons de Scud dans le coup. Putain, je suis tombé à l'eau. Je suis sûr que c'était par là. Je cherche pas tes jaloux en anglais. Je sais pas encore. Ah, il y a moult bananes. Moult. Ouais, excusez-moi, on parle pas le même langage, je crois. Non, mais le mec a dit moult, quoi. Ouais, wow. J'essaie de rehausser le niveau de la chaîne. Ah, ouais, le mec a dit ah bah là en anglais fait pas plaisir. Hein. Là, c'est bon. Hein. La chaîne va couler. Yes. Ouh. Et bientôt les vidéos à apprendre l'anglais avec Narfan. Non, en plus il parle bien anglais. Oui. Ah bon. Avec un bon accent français. Ah, de toute façon, moi je connais l'essentiel, tu sais, hein, fuck players, Fortnite, tu vois, c'est fucking bon. American. Fucking American. Faut manger les mots en fait. Fucking children, voilà, c'est bon, je connais la base. Avec un chewing-gum dans la bouche et t'as l'accent. Je connais l'essentiel de tout ce que j'ai besoin de connaître. On va faire le tour de tous les clichés là, allez, c'est parti. C'est parti. Dieu sait qu'il y en a. On va faire le tour de la place des clichés. Allez, c'est. Oh putain. Eh bah ouais, là, tu l'as voulu, là. Tu l'as alors, cherché. Une falaise et ce que. Eh Bob, est-ce que ça nous intéresse? Oh. Bon. Là, faut mettre un gros AMG au montage que tu ne fais pas. Ça doit être ça. De quoi? Le montage, un truc que je ne fais pas. C'est ouais, un ça, truc c'est dégueulasse, ça sert à rien. C'est vraiment ça pour les cons. De ouf. C'est qualitatif. Franchement, en plus, les gens savent pas le faire. Y a que la MR Petroc TV qui fait ça super bien. Abonnez-vous. Super bien, MR. Je. Ah, je fais joujou. Ah, mais tu fais super bien joujou. Hein. C'est pas ouf hein, ce que je fais. Hein. Y a beaucoup mieux. Hein. Ouais, mais c'est ouais, plus mais cher. Y a pire. Tu vois. Probable. Où est-ce qu'il pourrait être l'autre journal? Mais t'es sûr qu'il est sur... Et j'ai vu un autre journal tout à l'heure, les gars, plus en bord de mer, genre petite plage, sur certains. Ouais, ici, non? J'arrive pas. Sur celle-là? J'arrive pas à remettre la main dessus. Sur une autre île. Pas forcément celle où je suis, mais je sais que c'était une petite plage, un petit coin sableux. Bon, en cherchant, Je sais que c'est pas précis comme indication. Mais... Si, je me dépêche, je fais des allers-retours pour ramener des bananes et des... Je crois qu'on dit sable au nœud, par contre. Ouais, tu vas tomber dessus par hasard, comme ça. C'est vrai que je crois que je suis plein aussi. Ah, je suis plein. Ouais, on s'est tous remplis. Un petit détour, peut-être que ça va me remettre sur le droit chemin. Oh là là. Parce que mine de rien, les livres, faut les voir aussi. Hein. Ouais, je passe à l'arrache. Je trouve très bien les livres dans lesquels il y a des cartes. C'est vrai, je les trouve bien. Hein. Un peu trop bien même, ouais. Certains diraient.
Ils font une lueur aussi, je crois, de loin, les livres, de toute manière. Non. Pas du tout. Faux. Ils sont invisibles. Tu mens. Eh bien, Petrock raconte des cracks. Ah, mais il y a une grotte. Il y a une grotte. Oui, oui, il y en a une sous-marine aussi, mais amène sur rien. Si vous voulez vérifier. Parce que, direct, quand ils ont parlé de sous l'eau, j'ai été voir, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Sous l'océan. Enfin, je crois qu'il n'y a rien. Peut-être qu'il fallait plus profond. Je sais pas. Je vais voir. Enfin, voilà. Là, on est parti sur une maîtrise de... On sait pas. Je suis de retour sur l'île. Je vais faire ma technique, faire le tour de l'île, même si c'est des falaises. Ah, technique pour retrouver le bateau qui marche plutôt bien. Ah, c'est ça, bah, c'est toujours quand j'ai fait ça que je trouve des conneries en fait. Marine de poudre ne compte pas dans les conneries, bien sûr. La mère Petrock Télévision ne voulait pas dire ça. voilà. Je tiens à le dire. Qu'est-ce que tu dis ? Non, non, je précisais un détail technique. C'était le cas de le dire. Putain, mais il y a combien d'entrées sous-marines en fait dans le jeu ? Dans cette île ? À ce qui paraît même, on navigue sur les mers. Je sais pas si t'es au courant. Non. Ah bon, spoiler. Putain, t'es un bâtard. J'aurais pas dû, je sais. Allez, je tente d'aller plus loin au fond de l'eau. Qu'il y a quelque chose d'intéressant. Je suis allé au bout de la grotte, et dans la grotte, en fait, il y avait... Il y avait de la... Quand tu suis la grotte et que tu... à un moment, il y a un croisement, ça te mène dans la mer, tu vois. Ouais, c'est ça, et donc t'as aussi une échelle que tu peux remonter. C'est ça, T'as moult grottes sous-marines, mais c'est que des grottes, y a pas de loot devant. Ils auraient pu nous foutre un petit coffre, ça... Ah, c'est par là que je suis entré, d'accord, ok. On va continuer par là, hein. Petite natation, faites du sport, c'est important, voilà. Moi, j'ai bougé, okay. Sur comme d'hab gaming. Et manger des soupes. D'accord. Et manger des bananes. Pour soutenir votre streamer préféré. Ouais, j'avoue, Zerator, il est cool. Hein. J'avoue. Oh là là. Oh là là, mon dieu. Oh, Zerator et son pote le barbu. Je sais pas, je regarde pas Zerator, je dis ça pour déconner. Moi je regarde Monsieur Petrock Télévision. Ah c'est vrai qu'il y a un trône de bois ici. Bravo à toi. Ouais t'as vu, je sais pas mais des fois je me dis j'ai rien à faire. C'est soit c'est comme d'hab, soit c'est Monsieur Petrock. Et bon MR Petrock ça change un peu quoi. Parce que comme d'hab bah c'est comme d'hab quoi, c'est toujours la même chose. Ouais c'est la routine du duel. C'est ça hein. La routine de l'emmerdement maximal. Plus il joue à des jeux nuls et te donne envie d'y jouer, c'est chiant. Ah j'avoue. J'avoue, simulateur de recherche de bouquins, on a vu mieux. Oui mais... Simulation de recherche de bouquins au soleil. Petite particularité. Ouais, enfin quand même... Parce qu'à un moment donné, ils ont hésité à faire la même chose mais dans une bibliothèque. Ça aurait été un peu chiant. T'es arrivé, tu leur as dit non, c'est pas la peine. C'est ça. On voit du soleil et les nanos. Je crois que j'entends MR Petrock TV taper Zerator, livre de Wanda. Le désespoir a frappé cet homme. Mais t'as vu si tu me fais passer sur ta chaîne là. Je m'étonne que les gens ils vont pas voir ma chaîne après. Non mais sans deck. Allez putain. Le mec me fait passer pour un tricheur et je vais mourir à cause de vous, voilà. What? Voilà, je suis mort à cause de vous. Voilà, voilà. C'est un peu triste hein, ce qui vient de t'arriver. Hein. Tu dis que je suis un tricheur. Il va me tirer dessus hein. Vraiment? Ah non, il tire. D'accord. On va tirer dessus. Allo? Allo? Allo, it's me. Allo? Allo? C'est Diego. Radu. C'est very good personnage. Yeah. Très efficace le sniper en haut de la. En haut de la tour. Oh mon dieu. Oh et on voit l'éclat. Regarde, on voit l'éclat. Ouais. C'est stylé. Enfin, il est mal fait l'éclat mais c'est stylé. Ah oui c'est vrai qu'on parlait sur Steam. C'est fou.
Mais c'est fantastique. C'est ma... Fantastique. Je suis en train de vider tous les tonneaux là. On va m'appeler le tonnelier. Je sais pas si elle va pouvoir rejoindre par contre. Ok. Comment? Ok. Je pique. Ah sûr, ah il nous faudrait un galion. Il nous faudrait un galion. Après si vous voulez qu'on le rejoigne, c'est pas trop compliqué, enfin là on se fait des... Ah bah attends, je vais proposer ma part. On se fait 3 crânes là, on va old salsatol là, on se tape les 3 derniers crânes, on a bouclé notre dernière bottle et on s'arrache quoi. Et on va le récup. On peut faire ça. En plus ça fait genre on fait quelque chose comme ça, les gens ils pourront mettre un pouce bleu. Et commenter, commenter parce que... Bon ça les commentaires ça fait longtemps que j'ai abandonné l'idée hein. De toute façon le dernier commentaire c'était pour me dire t'es que ça rame du cul baisse la qualité du jeu. J'aimerais bien que ça soit plus fluide là, parce que c'est un peu chier quand même hein. Merci hein, des bisous hein, des bisous quand même. Y'a tout le monde sur le battle? Ouais c'est bon je suis dessus. Non moi je suis pas dessus. Salut hein. À la prochaine. Allez, hein. Prends une sirène mon gars. Non. J'ai des bananes. Après le l'autre livre il était peut-être aussi à Golden Sands hein, c'est pas impossible hein. Au revoir. Au revoir. Je pense pas hein. Oh les bâtards. Au revoir. J'ai vraiment un équipage de merde. Au revoir. Ouais, c'est ce qu'on a dit la même chose quand on t'attendait pour la forteresse. Quelle forteresse? La forteresse où t'es passé comme ça en courant d'air. T'étais même pas là quand on a ramassé le loot parce qu'il y avait des crânes, ça te faisait peur, c'est tout ça. Non, c'était plutôt les squelettes. Et aussi on me tirait dessus, du coup moi j'ai paniqué, tu gueulais. Et moi j'ai pris, voilà. Ne gueulais pas, je parlais juste un peu plus fort que les autres. Ouais, tu gueulais. Faut le baisser sur Discord aussi, hein. Ça marche bien. Ouais. Non, si je le baisse trop, je le mute après, je me connais. Ah! Ah, à skip, il y a des... Pourtant, il y avait pas de... Comment on dit ça? On va où, là, du coup? Dans le sud. Vers les atolls des opticiens. Bon, sud-est, hein, tu peux. Hold atoll. Un peu sud-est? Tu peux passer de cette blague. Ouais. Non, si tu veux. Sud-est... ouais, bon, atoll des opticiens, tu vois, c'est un moyen de faire un placement de produits gratis, tu vois. Encore? On aime ça sur Fan d'habitude gaming. Tout ce qui est gratuit ou les placements de produits gratuits? Uniquement les placements de produits gratuits. Parce que tu peux pas les payer. Ah, jamais. Propose de l'argent, je refuse et en plus de ça, je crache sur la marque qui me propose de l'argent. Je fais que des marques qui veulent pas qu'on parle d'eux. Et je parle d'eux et gratuitement. Ah. Parce que j'aime bien les embrouilles. Sud-sud-est, c'est bon ou comme ça, maintenu, genre tout droit, monsieur? Ou il faut que je souque mes artimus un peu mieux? Ah ouais mais on risque pas d'avancer si je descends pas ma voile là, je me dis on avance quand même pas vite hein. Bon, ah, bravo, mais au moins on est bien calé, on a pas le temps de le faire, là on est au tir, c'est nul trop, quoi. C'est lent. Y a pas de sirène hein. Aucun RP. Je vois pas la sirène en fait. Ah il y a des sirènes mais moi je... Ah, elle est peut-être de l'autre côté de l'île hein, si je tâche une blague. Tu dois l'entendre normalement. Ah, c'est ça ouais non parce qu'il faut que je me rapproche. Est-ce qu'on est dans la bonne direction maître Bob? Probable. Sommes-nous bons? Probable. Oh ouais, c'est vrai. Elle chante presque aussi bien que moi la sirène. Ou le sirène, je sais pas. Alors comme ça on a voulu m'abandonner? Tu m'as mis le poulet là quoi. On va passer à droite. Alors tu mets deux crans à droite là, tout de suite maintenant, c'est droite là. Ah non, trois. Trois crans à droite. Avec ce bateau-là. Il faudra redresser derrière, on va droit dans une tempête. Faut que tu me dises. Donc, on doit faire combien quelqu'un sur la carte, histoire de tenir la direction. Ah, gros requin. Gros requin, il a un crâne sur le... Ah, il m'a fait tomber depuis le coup. Oh là là. Remonte. La faites pas à l'envers, les mecs, hein, vous me lâchez pas. Je vais discuter avec le gros requin. Ouais, si tu veux. Gros requin. Bonjour, en plus je le trouve tellement beau le requin dans le jeu. Ouais, je voudrais le même. Ouais, je vais dire... Il est trop stylé, hein, vraiment. Il est trop bien fait. J'ai pas l'occasion de profiter de lui en fait, tu vois. Moi, je suis fan du requin, vraiment.
prends le bateau, c'est de la merde, le retrain. Cette île s'appelle Discovery Ridge. C'est pas là qu'on va. Je peux... la tempête... Je peux appuyer sur la sirène, la tempête, ou non ? Non ? Bon, là je peux ? Ah, merci. C'est bon. Tempête, droit devant ! Ouais, le plus dur dans la tempête, c'est garder la direction, c'est tout. Il faudrait que tu ailles sur ta gauche. Tu peux même aller plein est, si la boussole est encore là. Oui. Et disons... plein est, alors. Par contre, il va falloir me lever des voiles, hein, sinon on risque de taper. Non, ça va aller, en fait, okay. Je crois que ça passe. Ah, il y a un rocher, ok. Ouais, je l'avais pas vu. Plein est. T'as les alliés en or, quoi. Ensuite, plein est, on est bien. C'est l'île que je vois là, un peu à droite. Un peu à droite. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est bien ça avant la tempête. Donc là tu peux tourner, ouais. Et il y a un navire qui a fait virer. Il a viré un chat ? Non mais non. Ah ça y est, on est dans la tempête, la barre commence à bouger. Ok, 3 trains à droite. On va voir 4. 6, toute la barre. Mets toute la barre. Bah elle va y aller toute seule. Hein. Allez, avec les voiles. Remonte les voiles, ouais, faut remonter les voiles. Ancre peut-être. Ouais, ancre aussi. Ouais. Elle est bien. Un peu loin, mais ça va. Ça va, on a l'habitude. Parce que là, on voit pas le fond. Sur comme d'habitude, gaming. On aurait pu se rapprocher, je pense. Quand même. Une banane. Et les jardinières. Jardinière de légumes. Salade, tomate, oignon, chef. Oh, il y a un tromblon aussi. Échange de skeu. Ouais, on se fait des passes. C'est... Bah, ils sont tous là, ils sont donnés rendez-vous. Là. Ah, baril. Je vais mourir. Où ça, baril? Décale. Il va pas dans l'eau, donc je le vois pas. Ah. Il est là. Oh, il y en a en or. Ah, ouais. Ça, c'est pour ça qu'il avançait pas, il était en or. Du coup, je l'ai tué, je me suis dit ça ira plus vite. Sinon, on va s'emmerder, ça va être long. Ah, ceux-là aussi, ils sont chromés. Ils sont plus résistants. Bah, vers l'eau. Il faut les mettre dans l'eau. Arthur, recule. Il faut qu'ils aillent dans l'eau. Viens dans l'eau. Dans l'eau, sinon. Vers toi, ils vont rouiller dans l'eau. Okay. Et là tu pourras les démonter beaucoup plus vite. Viens voir le bonheur, là tu vas attaquer. Canon loin, enfin tireur je veux dire. Ouais j'y vais, tu t'occupes du... Parce que s'ils sortent de l'eau ils vont revenir à là. C'était des dorés. Les gars, venez sur moi. Venez sur moi les mecs. Putain mais ils sont hyper résistants. Ouais, non, eux, ils me tuent pas. Plus de mine. Oh putain, j'ai pas de bananes. Si, j'ai des bananes. Tu veux une banane? Bah vas-y. Ouais. T'es où? Je vais te prendre trouver une cache. Ah, ils vont merde, je n'arrive pas à les descendre. Ouais. Et j'ai plus de vie. Okay. Bon, je serais mort avant, je crois. Non, c'est bon. Je suis là. Je te suis. Thanks. Prends une deuxième. Ouais, c'est bon.
stocks des munitions là-bas. Oh, j'ai encore des balles, ouais. C'est... Oh, nickel, Miguel. Ah, plus de balles. Oh putain, on me tire dessus. Faut aller dans l'eau, viens dans l'eau, viens dans l'eau. Attends, on me tire dessus. Enfin, voilà. Sinon tu peux prendre un saut remplir d'eau. Une... Ouais, non, mais ah mais il bouge pas parce que c'est un tromblon ce PD. Prends son dos. Ouais mais attends, il y a un coffre. J'ai trouvé un coffre. On pourra toujours le prendre après le coffre. Et GG. On pourra toujours le prendre après le coffre. Mais GG. Oui non mais c'est histoire que je le sorte. Non mais il est sérieux l'autre, il rouille pas là. Attends, si tu veux, je vais prendre un saut, ouais. Attends, j'arrive, je vais prendre un saut. Prends ton saut, bordel de merde. Prends-le, ton saut. Dans la bouche, bâtard, là. J'en ai marre de te le lancer 15 fois, connard. Connard. Prends ta flotte. Petit mange-mort. Mange tes morts. Mange tes morts. Mange tes morts. Mange tes morts. Ah bah, il est mort. Oh bah, il est fou. Il prend rien du tout, quoi. Il rouille pas quoi. Que il est sur le rocher, c'est bon. Apprenez à faire de la musique avec des squelettes dorés. Je sais pas quoi faire là, le pauvre. Ah mais il bouge plus. Ça y est, il réagit plus. EG, il est mort. Enfin. Ah. C'est bon, il y a le capitaine. Chef. Oui, j'ai trouvé ton coffre, hein. Je me casse avec. Oui. Ouais, salut, hein. Démerdez-vous, hein. Ouais, bah. Aïe. J'ai plus de mun, j'ai plus de bananes, je suis ouf, en vie. Adieu. Aïe. Midlife. Ah, si, y'a un requin qui me shot. Qui me niaque une fesse. Ce serait magnifique, mais je pleurerais. Non. Bah, en fait, il restera à flotter, pas moi. Ah, bah, c'est pas grave. J'arrive, monsieur Petroc. On prend l'eau ici. Oh punaise. Espèce d'enfoiré. C'est quoi la différence entre le pistolet et le fusil? La portée. Il y a pas grand chose honnêtement. C'est ça que je me disais, oui. Bah, t'as le gros qui est plus un fusil à pompe, genre. Ouais, c'était. Et qui a été nerf d'ailleurs. Le petit avec un pistolet. Ouais. Y'a pas de viseur quoi. Parce qu'avant tu one-shotais les gens avec le. Oh non. Mais non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un retour Windows, je suis là. Ah, ça y est, il a encore eu peur des squelettes quoi. Ah, bon bah, tant pis pour moi. Ah bah, ça y est, je suis mort. J'étais tellement en avec un PV quoi. Il y avait moult bananes. Moult. Ah, des fois monter sur le bateau, tout ça. Il y avait des bananes à foison. Agir et tout, ça fait ça besoin. Shut up, please. Quoi? Oh, je m'énerve dans le monde des morts. Parce que les gens ils parlent trop. Ah, parce qu'on les entend aussi. Ouais, les gens ils arrêtent tout le temps. Allez. Ouais, tu sais, je suis mort, je suis tombé dans l'immeuble. Mais y'a pas d'immeuble. Bravo à vous, Mary Berry qui est décédée pour la deuxième fois. Le décès, c'est chose. Elle a dû revenir d'un PNJ, il doit mourir 15 fois par jour. Un petit bain de pied dans le bateau, c'est vrai que c'est pas con, les gars. Comment ça? Il est un peu tôt. Oh. Ah, mais c'est parce qu'on a dû conner. Mais non, c'est parce qu'il a plu. Non, c'est juste. Il pleuvait tout à l'heure, c'était la tempête. Ouais, c'est, ça. Ah. C'est pour ça. Ça remplit un peu le bateau. Légèrement. Ouais, mais ça le fera pas couler quoi. Bon, j'ai ramené un crâne. Qui a ramené du crâne? Oui, il en reste deux. Tu sais, il est encore en squelette. Il a aussi ramené un, il est encore en aussi squelette, ramené un coffre. Oui, oui, non, mais la question c'est les crânes. C'est objectif crâne. Putain, il y a un requin. Question, arrête de poser des questions. Ouais, c'est bon. Mais du coup, c'est quoi les. Ah, mais il y a plein de bananes ici, vous ne l'avez pas dit? Non, je t'explique. Qu'est-ce que c'est marre, putain. Enfin, attention avant de reprendre la mer, il y a un requin. Ah, j'ai vu. Quelqu'un vient prendre le deuxième crâne ou genre je veux faire la. Arthur, on va chercher le deuxième crâne. Non, je suis loin là. Prends-lui le glitch pour aller plus vite. Bord de l'eau, il est mort, GG à toi.
Ah, regardez. Il est tellement fort. Ah. En attendant, le je reviens. Le mec pilote le bateau là, il est yab. Le cul de la poule dans la gueule. T'as vu ça, comment ça, je l'ai mis la poule? Tu kiffes ou pas? Ça fait de la ventilation. Ça fait vraiment vieux cargo de pécor. Une collection tu sais. De crânes, les gars là. Elle commence à être sympa. Hein. Commence à avoir un petit charme. Hein. Le coffre sur l'hélice, c'est plus important que le reste. Mais pourquoi on a encore de l'eau? Quelqu'un remet de l'eau chaque fois ou? Non, c'est parce que je suis un peu bugué. Voilà, c'est tout. T'inquiète, c'est normal. Quand j'essaie de balancer l'eau par-dessus bord, il veut pas. Voilà, tu vois, l'eau est dans la cale. L'eau est à nouveau dans la cale. Ah, pour moi, il n'y a plus d'eau là. Ah bon? Mais je suis toujours un squelette en fait d'ailleurs. Mais l'eau ne veut pas sortir par-dessus bord. Ah oui, c'est concept. Mais ça gicle dedans quoi, comme si je le jetais à l'intérieur. De mon point de vue, mec, tu te jettes l'eau sur toi. De mon point de vue. Rigolo. Là encore une fois, tu viens de te jeter de l'eau sur toi. Bon bah alors si c'est comme ça, je prends le. Hein? Voilà. Je vais sauter à la mer. Mon seau est vide. Et qu'ils me disent pas qu'il y en a dans la cale, sinon je m'énerve. Voilà. Sinon je dis que ce jeu c'est de la merde. Eh bien, je crois qu'on a fini toutes nos quêtes. Tu es un squelette, Bob. On va les vendre là. On laisse Arthur, ça encore. Ouais, on adore. De toute façon, il est jamais là. Au revoir. Oui, il est parti. Je crois qu'il a déco. Je crois que voir et affronter autant de squelettes en même temps, ça lui a fait peur. Je pense que. Du coup, avant-poste, c'est ça? D'abord à gauche, toute. Je viens de voir une épave. Enfin, je viens de voir des mouettes. Oui, mais par la suite, c'est avant-poste. Ouais, et la suite, c'est avant-poste. Paf. Eh ben, ce sera plein est pour l'instant. Après, je ne sais pas. Un peu sur l'objet vite fait. Oula, oula, blablabla. La connexion qui se barre en sucette. Putain. Putain, il est parti faire des flageolets, j'en reviens pas. Incroyable. La fiabilité d'un homme. Du pauvre fou. Hey, putain, les bâtards! Hey, ils sont profonds, hein! Mais moi, tant mieux, ça m'arrange. Hein. Ça veut dire qu'il y a moins de chances que les gens l'aient déjà looté. Ouais, et vu comment sont pleins les barils, personne ne la loot. Oh, petit crâne explosé. Putain, c'est vide! Et non, en bas il y a un coffre à prendre, tout en bas. Quand tu descends en bas, il est à gauche. Un peu en bas à gauche. Dans les grosses caisses, mais en bas à gauche principalement. Je vais aller prendre de l'oxygène. C'est géré. Une petite noyade entre amis. Ça fait toujours plaisir. On veut que pour manger tôt. Ah, ça y est, il a fini de faire cuire ses flageolets. Ah bah ouais, hein, il faut entretenir le... bah j'ai rien à dire, hein, c'est trop bon le flageolet. Petit faillot aux oignons. Ouais, faillot, oignons... Grand fan de Basket Sir.
Petite pièce de bœuf, ça y est, le mec travaille en cuisine, pièce de bœuf. Ah bah oui. C'est des choses qu'on apprécie, de par chez nous. Ouah, je suis où ? Là où t'es ? Alors regarde, descends. Je suis en bas. Ouais mais regarde, au niveau du lit. Je suis au niveau du lit. Tu me vois pas ? Tu es invisible. C'est excellent. C'est formidable. Ce jeu n'est pas buggé. Tout va bien. Tout va bien. Donc on m'avait dit plein est. Du coup plein est, on est et par là. Paf pif paf 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 paf. Ah, squelette Bob est là. Tout va bien. En fait, il est stylé ton ta figure de proie, elle est stylée. Merci. Attends, mais j'arrive. Je peux t'aider. On n'a pas vu sur cette île s'il y a des squelettes ou quoi que ce soit. Des serpents. Parce qu'à la base, on cherche du serpent aussi. Pas fait attention. C'est pas grave. Je vais mettre la direction plein est déjà. Avec Capitaine Chicken McDougat de friture de poulet. Poulet. Ne tape pas sinon tu le tues. Range-moi ton couteau là, j'en ai marre de te voir avec une arme. Poulet. J'ai l'impression de voir un enfant avec des armes, ça me fait peur. Bon, du coup, je te remplace, tu peux pas faire la musique, je fais la musique. Ça marche. C'est vrai que t'aurais pu gérer les voix là. De quoi ? Moi je vais rien dire. Non, je suis désolé, je suis pas encore très efficace. Je suppose que tu l'avais remarqué. Oui, t'as un bateau. Il est là. Pilalou, pali, pilalou. Ah, c'est beau. Cette mer fait beaucoup de bruit. Ah, c'est parce qu'on a un requin derrière nous. Ah oui. Oh, il est beau. Ah, ne l'attaque pas. Ah, lui, il nous attaque. J'ai plus de balles. Il donne de la vitesse en plus. Balle. Lol. J'ai plus de balles, j'ai pas de balles. Comment ? Il est là, il vient nous charrier là, c'est un poteau. Il nous course encore. Je vole pour l'attaque. Moi je suis l'ami des bites. Ah, c'est sûr que entre bêtes vous reconnaissez. Oh là entre là. Gens bêtes. Ouais. Viens là que je t'embête. Oh là là. Pardon. Ah, les canons sont vides. Ce mec est sérieux. De quoi? C'est pas moi qui les ai vidés en premier. Bon bah du coup après être vu, je vais vous laisser parce que j'ai faim. Je vais la calmer. Je vous manquerai à tous. Je m'absente, c'est 3 minutes. Ah c'est bon la canne. Déjà vous chez Charbet Cove ici. Il faudrait prendre nord-nord-est. Non nord-nord-ouest, pardon. Nord-nord-est suffit, je ne sais pas. Je suis perdu. Nord-droite ou nord-gauche ? Nord-est. Nord-est. Nord-nord-est ou nord-est ? En tout cas, c'est bon, ça va, on peut encore affronter le petit poisson là. Il est pas vraiment agressif, hein. C'est ça qui m'étonne en fait. Ouais, il a l'air... Mais par contre, les dégâts qu'on lui met, ça le garde à chaque fois. Parce que je sais pas si t'as vu, mais il est abîmé le requin. Ah bon ? J'ai pas vu. Il est plein de blessures. C'est pas le requin de base qui est comme ça ? Donc, plus nord-est, c'est ça ?
Ouais. Bah, c'est le pic là-bas. Ok. Ah, c'est ça. Je voulais recharger les canons. Squelette Bob. Ça me fait marrer ça. J'ai hâte de voir ça en tout cas. Ouais. Parce que t'es vraiment un squelette, hein. Dans mon univers bugué, bien sûr. Je vois encore mes mains. Oui, je vois encore mes mains. Donc est-ce que tu peux me dire par quel côté il faut que je l'aborde, monsieur l'avant-poste, si tes yeux d'elfe te donnent l'information? D'un côté ou d'un autre? À droite, hein, normalement. Non, c'est à gauche en fait. Légèrement tout le côté. Coucou. Ça va, copain? Ok. Ah, il vient nous pousser. C'est encore le pitbull là? Oh oui, là. Enfin, ah, c'est pour ça que je rame du fion comme Jaja là. Tellement bugué le demi. Le semi-dolon là. Passionnant et nickel. Voilà, bon, danseuse pour réparer. Continue de danser. Un cri. Ça c'est vendu. Tiens, j'ai remis un petit saut, si on avait passé. Tu vois, lui, c'est pas encore le même navire, c'est encore un navire différent. Le The Great of War. Le 11 et le 20, en fait, il y a plein de navires différents là à tabasser, visiblement. Toute une armée de batailles à tabasser. Super chargé, c'est mieux aussi. C'est très bien rangé. Rangé. Bien mieux rangé que mon empilage de crâne dégueulasse. Sur la table. Alors, combien qu'on fait avec toute cette galère? Elle est où la pétasse? Sous sa toile là. Elle est où Jacqueline? C'est là. Petit crâne sordide, 800, putain il aurait pu payer un peu plus, bordel. C'est un item de quête quoi. Oh, les items de quête qui valent plus rien par contre. C'est la tristance. Il est beau, il est vert, il est magnifique. Il est luisant. Certains disent même qu'il est lubrique. L'autre il danse pendant qu'on est pendant qu'on constate tout le boulot, il danse sur le plumard. Donc il va se faire cuire des haricots verts et des épinards.
Je sais pas si t'as remarqué, mais le requin il nous attaque que quand on a du loot. Hein. Ouais, je vois ça. Ça peut être intéressant de l'aggro comme ça, ceci dit. Plutôt que de s'amuser oui, être à deux équipages à jouer du tambourin au milieu de nulle part. C'est ce que je veux dire. Ça peut être pas mal aussi. Parce que bon, là. Si on lui met quelques canons, quelques boulets à chaque fois, là, je pense. Bah, surtout que là, armé comme on est. Et avec le nombre de planches qu'on a, le nombre d'obus, tout ça, on se le sort à deux. Hein. On se le sort à deux. Oui, bon. Au pire, on reste pas trop loin d'une île, comme ça, en cas de galère, parce que t'as vu, il a fait un demi-tour instant quand ça approche cette île. Ouais. Alors, le jeu, le requin, il peut pas s'approcher. Ouais, en vrai, on craint rien. Hein. Même s'il nous fait 4-5 trous de planches. Oui, non, mais voilà, au cas où. Oh, ouais, vraiment au cas où. Ah oui, non, mais vraiment. Ah oui, non, mais vraiment, hein, par accident. Allez, un des deux coffres. Et on est réglé. Enfin, il reste un coffre et c'est réglé. Ah non, il baril là-haut. Je suppose qu'il doit y en avoir un ou deux. Ah bon ? Oh, bah, je suppose. Pas le souvenir d'en avoir pris pour ma part. Moi, j'ai souvenir de baril, mais ça, c'est parce que j'en ramasse tout le temps. Donc, du coup, je suis possédé du baril. Tu comprends ? J'ai des visions de baril pendant que je dors, en fait. Et il va revenir, et il va dire, mais on s'est fait fouiller. C'est ça. Ouais. Eh bien, on est pas mal, hein. Enfin, un petit billet, hein. Là, si on pouvait nous remettre une petite forteresse là-dessus, on serait content comme culisse qu'aurait fait qu'un bon voyage. Eh bien non, on a rien. On a Peanut. Pinut et Peanut. Et voilà. Et j'ai pas eu... Alors putain, les ordres des âmes, ça monte tellement pas vite, quoi. C'est tellement horrible. Oh, ça monte pas vite, quoi. Les ordres des marchands, grâce au baril, ça grimpe pas trop mal. Mais c'est pas fou non plus. Hein. Bouclier d'or, donc j'ai ramassé quoi? Il nous reste en titre, il m'a dit vendre 10 coffres de 1000 grog. Oh, putain, j'en ai jamais croisé un, quoi. Et là, celui-là, c'est vendé à 70 coffres de capitaine aux collectionneurs d'or. 9 sur 70, bon, il y en a quelques-uns, voilà, à faire. Ça prend son temps, quoi. Ça prend son temps. Acheter 25 voyages aux collectionneurs d'or, donc ça, c'est bientôt. Ça, c'est bientôt. Et les 1000 grog, les coffres du chagrin, hein, sur 10, quoi. Va te faire rouler dessus, connard. Il n'y a pas le globe topus. Il y a un globe topus aussi, coffre, je crois, non? Ah bah... Et c'est le requin, là, qui se balade, là? Ou c'est des vagues? Non, je le vois pas, putain. Non, mais tu vois, là, je vois des... Ok, d'accord. Ah non, c'est les vagues qui font ça. Effet de vague. Mais c'est vrai qu'il y a certaines vagues, on dirait des élans, ouais. Dites-moi, squelette Bob, vous voulez bien dire au revoir aux gens? Au revoir. Il était où? Ah. Juste là. Au revoir. Au revoir. Agro. Fais au revoir avec ta petite main de squelette. Alors attends, comment on fait? W. je crois que c'est faire un signe, ouais, c'est ça. Ah, je suis en squelette. Au revoir, squelette Bob. Un beau petit fessier, squelette Bob. Tu ne peux voir dessous, hein. Petit canaillou. D'ailleurs, tu es une squelette, figure-toi. Sache que tu es une squelette. Ouais, tu es un squelette féminin. Voilà. T'arrives à différencier les squelettes féminins et masculins. Oui. Il y a une différence entre un squelette masculin et un squelette féminin. Une différence qui ne trompe pas. Des bisous.